Oh non, les amis, je sais pas du tout où je suis. Le professeur m'a convoqué toute seule ici. Monsieur, qu'est-ce Anna, qu'est-ce que c'est que ces bêtises, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez vos notes. Zéro, 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 zéro. Que des mauvaises notes. Qu'est-ce qui se passe à l'école? C'est n'importe quoi. C'est vrai que j'ai des très mauvaises notes, monsieur. C'est parce que en ce moment, je sais pas trop. Je veux pas le savoir. Vous êtes puni. Vous êtes puni sur cette île toute seule. Vous allez devoir rattraper tout le retard que vous avez. Il y en a du retard. Hein? Oh non, monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas du tout envie, c'est trop nul. Je déteste l'école. Vous avez pas le choix. Vous allez devoir apprendre à l'école. Et puis aussi, il se peut que vos camarades aient besoin de vous sur d'autres îles et que vous ayez les aider. Si vous êtes gentil avec eux, peut-être que vous pouvez partir de cette île. Mais vous devez apprendre. Alors bon courage. D'accord, ok, monsieur. Oh là là, les amis, il a l'air d'être super énervé. Oh, mais moi, j'ai pas envie de rester toute seule sur cette île, c'est trop nul l'école, j'ai pas du tout envie de réviser. Il m'a dit par contre que je peux aller sur d'autres îles avec... Oh, regardez, il y a l'air d'avoir d'autres îles. Oh, il y a une casquette Pikachu ici. Oh, mais c'est trop stylé. Il y a quoi comme île? Qu'est-ce que j'arrive à voir? Oh, je sais pas trop ce que c'est au fond. En tout cas, cette île-là a l'air super cool. Je devrais peut-être y aller. Mais comment je vais faire pour pouvoir accéder à cette île? Là, j'en ai aucune idée. Là, il y a un bloc ici. Si je le creuse... Oh, ça me fait plein de blocs. Ok. Faut que je ramasse plein de blocs de terre pour me faire un chemin. Oh, ça va être un petit peu long. Bah, vous savez quoi, les amis? Je pense que si vous likez, il y a moyen que j'ai plein de stacks qui arrivent d'un coup. Hein. Je vous jure que ça peut marcher. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez-y, likez. On va voir si j'ai de la terre qui arrive dans mon inventaire. Waouh, déjà, j'en ai un petit peu plus. Oh, allez-y, likez, comme ça j'en aurai plein. Wouah, il y en a plein d'un coup. Il y en a plein. Ouais, ça. Oh, waouh. Là, j'en ai largement assez pour aller à l'île d'à côté. Ok, on va aller dans la première île. Et moi, vous pensez que c'est quoi mon île? Je pense que ça doit être l'île de la mauvaise élève. Sachant que j'ai que des F. Oh non, c'est vraiment pas cool. Bon, on va aller sur l'île là-bas. Oh là là, elle est tellement loin. Oh, j'espère que je vais y arriver assez rapidement. Ok, on y va. Oh, on pose les blocs. Oh, j'espère que je vais pas tomber dans le vide. Parce que je sais pas ce qui va se passer si je tombe. Hein. Imaginez, je suis dans l'école en pyjama. Ce serait horrible. Ok, je me rapproche. Je sais pas qui se trouve sur cette île. Parmi mes amis, qui est-ce qui pourrait être ici? Moi, je vois peut-être Awari. Ça pourrait être lui, le geek. Ou peut-être Kiku. Kiku, je le vois bien aussi en tant que geek. On va voir. Qui est-ce qui est ici? Hop, on est pratiquement au bout. Oula, attendez, est-ce que j'ai failli tomber? Ok, là, je vais essayer de monter là, hop, et on arrive sur l'île. Qu'est-ce que... Oh! J'avais raison, les amis, c'est Kiku! Ok, on descend. Hey, Kiku! Oh, salut, Anna, qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais Kiku, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai envie de manger et de boire, là, c'est trop bien, je vis ma meilleure vie! Mais attends, c'est dégoûtant, Kiku, là, qu'est-ce que... t'as laissé des trucs traîner partout? Je vais les jeter dans le vide après! Oh, mais Kiku, c'est dégoûtant. Mais c'est quoi ton île? C'est l'île du geek. Exactement, Anna. Là, j'ai mon superbe écran plat où je regarde Netflix tous les jours. Regarde. Wow, il est géant ton écran plat. Il fait 10 fois ta taille, Kiku. C'est vrai, j'y arrive même pas à sa taille. Oh. Et là, encore plus grand, ma Switch géante. Wow, Kiku, t'as une Switch. T'as deux Switch même. Qu'est-ce que t'as d'autre? Là, c'est ta PS5. Ouais, ma petite PS5. Voilà, je fais plutôt bien. Oh, c'est trop cool ton île, Kiku. Mais tu sais qu'il y a d'autres élèves un peu partout et moi je veux partir parce que le prof il veut que je révise. J'ai pas du tout envie de rester ici, Kiku. Oh, courage. Moi en tout cas, je pense que je vais jamais partir. Oh non, Kiku, faudrait qu'on parte. Allez, viens avec moi, s'il te plaît. Attends, avant, tu vas jouer avec moi. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire, Kiku? On va jouer à un jeu vidéo? À ton avis, c'est lequel mon jeu préféré? Je sais pas. Je dirais Adibou. Non, c'est pas ça. Bah t'es petit, Kiku, tu pourrais jouer à Adibou. Ouais, mais non, c'est pas ça, Anna, c'est Mario Kart. C'est vrai que c'est un jeu qui est super cool. Oh, et tu veux qu'on fasse du vrai Mario Kart? Ouais, c'est exactement ça. J'ai construit une course de Mario Kart, Anna. Ok, Kiku, est-ce que t'es prêt? Ouais, on part en même temps. Oh bah oui, quand même. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Oh, Kiku, t'es parti un petit peu avant. C'est pas grave, je m'en fiche parce que je suis sûre que je vais... Je suis sûre que je vais gagner. Ouah. Oh, Kiku, je crois qu'on est tombé. Ok, c'est reparti. Ouais, tu me dévances. Je veux pas tomber une nouvelle fois. Non. Ouah. Ok. Oh, elle est super dure, ta course.
concours, c'est moi qui ai gagné. Bravo, tu m'as eu, donc t'as le droit de continuer, Anna. Bah tu viens avec moi, Kikou. D'accord, je viens. Ah ouais, viens avec moi, Kikou, on va aller sur l'autre île. Oula, elle me paraît un peu bizarre, cette île. Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui se trouvent ici? Oh, ça me fait un petit peu peur, Kikou, mais on va y aller quand même, parce qu'il faut qu'on aille sauver nos amis, hein, parce que je pense que c'est tous nos amis. Ils sont transformés un peu comme des personnes de l'école. Toi, t'es le geek, toi. Ouais, moi, ça va, j'ai eu de la chance, franchement. Et moi, à ton avis, je suis quoi? Déjà, t'es pas l'intello. Kikou, c'est super méchant. T'as qu'à m'aider aussi en même temps. Tiens, fais-le, avance les blocs. Je suis sûre que je peux te doubler. Me doubler en quoi? Tiens, prends les blocs. Vas-y, pose des blocs. Ok, je vais essayer de te doubler. Regarde, hop. T'essayes de cycle des cycles, là, Kikou? Exactement. Si tu tombes, je vais pas te rattraper, hein. Non, t'inquiète, je suis un professionnel. Ok, ouais, c'est vrai que t'es super fort, hein. Ok, vas-y. Alors, qui est-ce qui se trouve ici? Je suis un funambule. Tu sais à quoi ça me fait penser, Kikou? Non. On dirait... C'est Johan! Mais Johan, ah, sortez d'ici! Non, arrête, c'est Johan! Arrête de nous tirer dessus! On vient te voir! Ici, c'est l'île des bad boys! Je crois que c'est un harceleur! Je suis la brute! Je suis la brute de l'école! Johan, laisse-nous venir! Tu sais très bien qu'on est très sympa avec toi, qu'on est tes amis! S'il te plaît! Vous voulez venir sur mon île? Oui, on veut te rendre une petite visite! Non, Johan, s'il te plaît, ne tire pas dessus! Mais pour venir, on va faire un combat et le meilleur pourra rester sur l'île. Moi, j'ai envie de partir, donc ça tombe bien, Johan. Enfin, il pourra venir sur l'île. Si vous gagnez, vous avez le droit de venir. Là, je suis déjà là. Hein. Oh non, t'es trop fort. Mais là comment on va rentrer là? Ok, je vais passer par là. Hop là. Mais Johan, depuis quand t'es une brute? Arrête, pose pas de questions. Mais me tire pas dessus. Arrête. T'approche pas. Ok, ok. En plus, tu pues. Oh là, tu pues. Anna, ça fait caca dessus. Et ça va pas. Arrête. T'es super méchant, Johan. T'es tout petit. T'es vraiment pas cool. Johan, tu veux pas plutôt qu'on passe aux autres îles tranquillement? Pour passer aux autres îles, il faut d'abord me passer sur le corps. Te passer sur le corps, qu'est-ce qu'il faut faire, Johan? Venez ici, regardez. Prenez votre petit stuff et on va se battre. Et le meilleur, il a gagné, quoi. Si tu gagnes, on passe sur l'autre île. Si je gagne, tu repars tout là-bas, ok? Ok, Johan, ça me va. De toute façon, je pense que j'ai pas le choix et j'ai pas du tout envie de repartir sur mon île, hein. L'île de la mauvaise élève, j'ai pas du tout envie. Ok, c'est parti, Johan. Je suis sûre que de toute façon, avec Kikou, on va te battre. Ok, c'est parti. Non, attention, Kikou. Arrête, laisse-moi. Kikou. Arrête de taper, Kikou. Sors-toi, tu sors. T'es une fille, je vais pas me battre. Non, Kikou. Aïe. Oh non, Kikou. Mais il est trop grand. Kikou, il est trop nul. Johan, de toute façon, je vais te battre. Mais il est invincible ou quoi? C'est parce qu'il est trop fort, Johan. Tu crois quoi? Oh là là là, il faut que j'arrive à le battre. De toute façon, il est tout petit, donc normalement, ça devrait pas être compliqué. Tu vas voir, Johan Anas. Tu sais quoi? Je vais le jeter dans le vide. T'as pas le droit, c'est de la triche. Si tu fais ça, je te lance dans le vide aussi. Johan, je crois que t'as tué Kikou là. Non, je l'ai pas tué, je l'ai juste éliminé. Ok. Allez, maintenant ça va être à ton tour. Non, je suis en train de perdre. J'ai plus de vie. Stop, j'abandonne. Arrête. Ça veut dire qu'on peut passer à la prochaine île et que j'ai gagné. Oui. Oh, tant mieux, Johan, parce que j'aime pas du tout me battre contre toi. De toute façon, on sait tous que t'es super fort, alors moi j'ai pas très envie de me battre contre toi. T'es trop forte là, je sais pas comment t'as fait. C'est parce que j'ai la force de Kikou, c'est pour ça. Et en tombant dans le vide, il m'a donné sa force, Johan. Oh la chance. Ouais, je sais. Pourtant, il est pas très grand, il est pas très fort. Pour son âge, il est assez fort, hein, franchement. Ok, viens, Johan, on va passer à l'autre île. Qu'est-ce que c'est, on dirait? On dirait des pompons de pom-pom girl. Tu penses que c'est Lola? Je sais pas, mais j'aimerais bien que ce soit une île remplie de filles. Ouais, ce serait trop bien. Vas-y, viens, Johan, on y va. Allez, go. Oh, c'est long de faire un pont, attends. J'essaie de sneak. Johan, je sens pas. Je veux pas que tu meures, toi aussi. Déjà qu'on a perdu le Kikou. Je vais pas réussir, j'abandonne.
Ouais, abandonne, abandonne, c'est une bonne chose. Vas-y, Yoann, je te laisse avancer. Moi, je vais essayer de repérer qui se trouve sur cette île. Bon, là, t'es devant moi, je vois rien. Oh, je crois que j'ai vu quelqu'un. Oh, Yoann. Quoi? Je sens que ça va être très drôle ici. T'es là, quoi? Vas-y, avance, Yoann, avance, avance, avance. T'es là, danseuse du bambou. Bambou. T'entends bambou. Ce que j'entends? C'est la danseuse. Ouais, une musique bizarre. Bambou, 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 bambou. C'est vraiment une musique de pom pom girl là. C'est la danse. Vas-y Yoann, on y va. Wouh. Oh, c'est bon. Alors qui se trouve ici? Allez les bambous de Saint-Didier, Saint-Jules-Saint-Ferrand, bambou. Bambou. C'est le papa Waris. Du bambou. Le papa Waris. Bambou. Bambou. Salut Anna, salut Yoannanas. Bonjour, mais qu'est-ce que vous faites sur cette île de Pom Pom Girl? Rien, rien. Je passais par là, je faisais mes courses. Voilà, je passais par là, quoi. Oh, ok, mais depuis quand vous êtes là? Oh, Kiko, t'es de retour. Kiko, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai fini les courses, regarde. Hop. Oui, les fameuses courses, et voilà, tu vois, c'est tes courses. Je suis pas du tout pom-pom girl, moi, non, c'est pas vrai. Moi, je pense que vous êtes pom-pom girl, Papa Brice. Vous avez pas un petit passif de pom-pom girl? Oui, c'est vrai. Si, quand j'étais jeune, en fait, j'étais le roi des pom-pom girls. Oh, wow, ça, c'est trop stylé. Il faut pas qu'on dise à Waris, hein, sinon, ce sera la honte. Hein. Moi, je lui ai dit que j'étais dans le football américain, mais que j'étais sur le terrain. Oh, du coup, faut pas du tout qu'on dise à Waris. Les abonnés, surtout, vous ne dites pas à Waris que son papa était une pom-pom girl, hein, parce que là. Moi, je vais lui dire. Non, tu dis rien, sinon je vais te manger. Si, non, tu vas rien faire du tout. Papa Waris, qu'est-ce qu'on peut vous rendre comme service sur cette île? Justement, le problème, c'est que quand j'étais jeune, je me suis blessé à la cheville, donc je peux plus faire pom-pom girl. Oh, sauf qu'il y a là-haut, là, tout là-haut, dans cette coupe, il y a ma grande coupe fétiche que j'ai gagnée au concours des pom-pom girls. Si tu pouvais me la ramener, ce serait super. Oh, bien sûr, Papa Waris, on va vous la ramener. Allez, vous êtes prêts? Suivez-moi. On va faire ce jump de pom-pom girl. Moi, je suis sûre que je pourrais être une pom-pom girl, hein. Ouais, toi, je suis sûr que tu pourrais en être une. Et moi aussi, je pense. Tu vas être une pom-pom girl, Yoann? Ouais, j'ai toujours rêvé. Oh, bah... Si tu veux, Yoann, après tout, t'as le droit d'être une pom-pom girl, hein. Ah! Oh non, je suis tombée. Trop. Ouais, bah là, Yoann, t'es déjà mal parti parce que si tu tombes ici, à mon avis, tu peux pas être une pom-pom girl. De toute façon, pour être une pom-pom girl, il y a juste à lever les bras et crier très fort. Non, parce que en vrai, les pom-pom girls, c'est hyper sportif. Imagine, elles sont super souples, il faut porter les autres, faut faire des figures, c'est super compliqué. Ouais, mais bon. Ah, mais moi, je veux pas être pom-pom girl avec toi puisque imagine, je dois te porter. Oh. La galère. Yoann, je te permets pas. Mais pourtant, c'est la vérité. On va porter le Kiku, comme ça, il sera bien plus simple à porter. Hein. Ouais. Et on c'est le mettra dur, tout le en haut de la tour. Et comme ça, si on tombe, c'est Kiku qui tombera. Oh, elle est là, la coupe. Ça va, Kiku, t'y arrives? Ouais, mais pour mes petites jambes, c'était vraiment dur. Oh, ouais, je comprends. Ça devait pas être facile. Regardez, la coupe est juste là. Je vais la prendre et je vais l'emmener à Papa Waris. Comme ça, on va pouvoir passer à l'île suivante. Eh, Papa Waris, on est là-haut! Ah ouais, ça y est, vous avez vu ma coupe, alors? Ouais, elle est tenez, comment, je vous la coupe? Lance! Wouh! Ouais! Papa Waris, tu veux ta coupe? Tu veux un dégradé? Tu veux quoi? C'est pas drôle, Yoann. Attendez, je descends. Wouhou! Ça y est, du coup, on a eu votre coupe, vous êtes content? Oh, elle est magnifique! Oh, ça me rappelle mes plus belles années où je dansais. J'étais le roi du pom-pom girl! Waouh! Oh, waouh! Ça avait l'air trop cool! Vous m'apprendrez, Papa Waris, hein? Oui, mais en cachette, hein. Faudra pas qu'on le fasse à Talca City, hein. Non, parce que si Waris nous voit, il va trop vous juger. Ah oui, non. Ok, bon, venez, on va passer à l'île suivante. On dirait l'île d'un basketteur, n'importe quoi, d'un footballeur américain. Je sais pas comment on les appelle. Un quarterback, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Un quarterback. Yoannanas. Ouais, c'est vrai qu'on dirait un autre Pokémon. Non, Yoannanas, c'est quarterback, c'est les plus populaires de l'école. Ouais, c'est ça, c'est moi le plus populaire de l'école. Non, je suis pas sûre. En plus, les quarterbacks, généralement, ils sont trop beaux et ils sont trop forts. Alors, je me demande qui va être ici. Je pense que... qui est-ce que ça pourrait être, Kiku? Tu penses que c'est qui? Moi, je
pense que c'est la reine d'Égypte. La reine d'Égypte, c'est bizarre. Ouais, comment je vois pas le rapport. Cléopâtre? Ouais, voilà, je suis sûre que c'est elle. Johan, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais le pont. Je crois que tu fais un peu mal le pont. Non, j'ai plus de bloc de terre, j'ai plus de bloc de terre. Non, mais t'es trop débile, Johan. T'aurais dû aller en ligne droite. Oh, j'ai pas vu. Non, le Kikou. Non, Kikou. Kikou. Il est encore tombé, c'est pas possible. Bon, moi, je pense que sur cette île, il y a moyen que ce soit Talcado, parce que Talcado, c'est le plus beau, le plus fort. Ben, je crois que c'est lui, regarde, là-bas. Ah bon? Ah bon, il est où? Il fait le beau gosse, là. Waouh, il est sur sa voiture, ok, on y va. J'ai trop envie d'aller voir Talcado en tant que sportif populaire, franchement. Il est trop bling-bling. Ouais, c'est vrai que Talcado, il est un petit peu bling-bling des fois. Ok, on va aller... Ouah, j'ai failli tomber, hein. Franchement, je me suis bien rattrapée quand même. Ok, je suis là. Eh, hey, Talcado Salut les filles, ça va? Je suis pas une fille en fait. Ouais, hein. Yoann, mais c'est pas une fille, hein. Et Papa Boys non plus, hein. Même si là on dirait un petit peu. Qu'est-ce que vous êtes belles les filles? Qu'est-ce que vous faites là? Talcado, on passe d'île en île. Tu viens avec nous pour rentrer? Non, je crois pas, bébé. Oh, bah pourquoi, Talcado? Qu'est-ce que. Mais c'est super bizarre de te voir comme ça. Bon alors, ça va ou quoi? C'est trop un bad boy, je pourrais trop tomber amoureux de lui. J'avoue, c'est vrai qu'il est super populaire et super beau. Waouh, il a des chaussures avec des ailes, waouh, tu peux t'envoler avec des chaussures. Non, je peux pas, mais vu que je suis plus fort, et bah les gars, voilà quoi, moi je suis quarterback dans mon équipe de football américain. Waouh, c'est super impressionnant, Talcado, mais là, faut absolument qu'on rentre. Ah ouais, mais les filles, en gros, moi ce qu'il me faudrait, c'est une villa. Là, j'étais en train de commencer à réfléchir au plan de ma villa. Il me faut une villa. Parce qu'avec l'argent du football américain, je vais me faire construire une villa, en fait. Talcado, on peut peut-être t'aider à faire ta villa et comme ça, après, tu partiras avec nous. Ouais, justement, vous allez me faire ça, là, les filles. Comme ça, on va faire une piscine et on pourra tous faire trempette dans la piscine, les filles. Hein. Ok, Talcado, ok. Alors, attendez, je crois que ce bouton va me servir à me mettre en créatif. Ouh, ça, c'est bon. Ok, et comme ça, on va pouvoir faire la villa de Talcado, le sportif populaire trop beau. Hey, poulette, tu vas où, là, comme ça, là? Hein? Pourquoi tu voles comme ça? Mais je sais pas, je pensais qu'en volant, on pouvait aller sur la trille, peut-être. C'est toi, le mec qui harcèle tout le monde à l'école? Qu'est-ce que t'as? Vous mettez pas, on doit faire la villa. C'est toi, sale bouffon. Arrêtez ou je vous tire dessus. Toi, tu vas rien faire. Non, arrête. Je vais pas pouvoir revenir cette fois, je crois. Moi, je vais te quarterbacker, tu vas voir. Ah ouais, attends, tu vas faire quoi? Mais moi, je vais te combattre. Non, dégage. Non. Allez. Non, mais moi, les harceleurs et tout, tu crois qu'ils me font peur, Anna? Non, moi, je suis sûr qu'ils te font pas peur. Bon, allez, Talcado, faut qu'on te fasse ta villa parce que là, ça devient du n'importe quoi. Tu la veux de quelle couleur, Talcado? J'imagine que tu la veux rouge. Je la veux rouge et blanche. Comme les couleurs de mon équipe de football américain. Allez, c'est parti au boulot. C'est parti, Talcado, on va te faire une super villa. Et tu veux une piscine, t'as dit? Une piscine, ouais, une piscine à débordement. Débordement, je sais pas si ça va être facile à faire sur ton île, hein. Mais écoute, moi, il me la faut. Il faut que ça déborde. Ok, on va faire ça. Tu vas rien faire du tout. Sinon, je vais pas pouvoir rentrer chez moi. Je veux pas rester sur les îles. Tu veux jouer à ça, espèce de sale bouffon? Tu crois que tu fais peur à quelqu'un? Tu fais peur à qui, toi? Tu crois que tu me fais peur? La bagarre. Non, papa, bon, hésite pas ça. Je veux pas qu'il y ait de la bagarre. C'est bon, ça va, c'est réparé. Bon, faut qu'on fasse cette villa. Dépêchez-vous un peu. Oui. T'inquiète pas, je vais te régler ton compte juste après. Ouais, ça, c'est ce qu'on va voir. Tu vas rien faire. Oh, merci, Talcado, de nous aider. Hein. Au moins, on va avancer beaucoup plus vite. Mais arrêtez de vous lancer des trucs dessus, sinon on va pas s'en sortir. T'as eu le numéro de combien de filles ce mois-ci, toi? Au moins 40 000. Ça, c'est même pas vrai. Généralement, les harceleurs, ils ont pas de filles qui s'intéressent à eux, hein. Ah, si. Moi, je crois que t'as un mytho, Johan. Mytho. Si, mytho. C'est...
elle s'appelle Ham, comme ça. Elle s'appelle Ham. Ouais, oh non, j'avoue, j'ai pas de prénom. Bah voilà, je savais, Johan, t'avais pas de petite amie et t'as aucune fille qui s'intéresse à toi. Oh oui, mais toi tu t'intéresses à moi maintenant, non? Non, je m'intéresse que à tel cadeau, Johan. Oh non. Bah ouais, tu t'attendais à quoi? C'est n'importe quoi, hein. Bon alors, on va avancer rapidement cette villa. Alors attendez, ici on va mettre de la white concrete. Ok, comme ça, on va en mettre ici, on va mettre une fenêtre. Franchement, là, ça avance bien. Franchement, ça avance super bien. Ok, ici, on va mettre un mur. Et Baba Waris, mais qu'est-ce que vous faites? Mais je suis un petit numéro de Pom Pom Girl. Attends, c'est quoi déjà la chanson? Villa, villa, on va la construire, Fissa. Villa, villa, on va la construire, Fissa. Et là, normalement, vous construisez plus vite. Ok, ouais, c'est vrai que là, je me sens un peu boostée, on va dire. Ok. Ce mur, on va le mettre en rouge. Ce serait beaucoup plus joli. Oh, j'ai plein d'idées qui arrivent grâce à vous, Papa Waris. Merci. Continuez à faire votre danse de pop-up girl qui donne plein d'imagination. Ah ouais, villa, villa. On va la construire, Fissa. Fissa, ouais. Ça, c'est trop bien comme musique. Franchement, j'adore. Oh, tel cadeau, t'as bien avancé ta piscine, hein. Ouais, je sais, bébé. Ok. Oh, j'aime bien quand tu m'appelles comme ça, tel cadeau. Ok, bébé. Oh, je crois que je suis tombée amoureuse. Mais je l'étais déjà. De quoi, Johan? Moi aussi, je peux t'appeler comme ça, bébé. Ouais, mais je veux pas que ce soit toi. Ah, yo. Ok. Je sais, t'es triste, hein. Non, même pas. Ça m'atteint pas. Ouais, c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'on doit faire la décoration, tel cadeau de ta villa? T'es pas obligé. Du moins qu'il y a la forme, c'est bon, bébé. Ok, bah ça tombe bien parce que j'avais la flemme de faire la déco, en tout cas. Et les vitres, bah c'est bon, elles sont pratiquement posées. Merci de m'aider, Johan. C'est gentil. Tu te rattrapes. T'inquiète pas, bébé. Par contre, évite de copier tel cadeau parce que sinon il va encore plus t'embrouiller. Ok. Attends, là on va en mettre que en haut. Comme ça et comme ça. Comme ça, ça fait une sorte de porte. Oh, c'est trop cool. Ouais, tel cadeau, t'as fait ta piscine à débordement. Et ouais, bébé. Trop stylé. Et bah, nous, je pense qu'on a terminé ta villa, tel cadeau. On peut rajouter des petites choses dessus à la limite, des petits dessins. Et franchement, là, c'est pas mal du tout, hein. Qu'est-ce que t'en dis, tel cadeau de ta villa? Ouais, elle m'a l'air d'être stylée. Là, j'ai fait la piscine à débordement, fais voir. Ah ouais, wow. Elle est bien fraîche, choix. Elle est cool, hein. Tu vas pouvoir inviter plein de gens pour faire des soirées. Ah ouais, on va pouvoir faire des soirées de fou là-dedans avec toutes les filles de l'école. Ouais. Avec moi surtout, tel cadeau, hein. Ouais, surtout avec toutes les filles de l'école. Avec moi, bon, tel cadeau, avec moi. Filles, venez, ouais, avec toutes les filles de l'école, c'est bien ce que j'ai dit, vu que tu fais partie des filles de l'école. Ouais. Bon, allez, on va aller sur l'île qui est là-bas. Johan, fais attention, t'as failli me rouler dessus quand même. Désolé. Allez, les filles, ça va on être y long. Va. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me porter, qui peut potentiellement voler, sachant que t'as des ailes sur ta... Sur tes chaussures, allez. Tu peux pas voler, toi? Non, on va y aller, t'inquiète pas. Moi, j'ai tous les blocs qu'il faut, je suis un bad boy. Ok, je te suis, tel cadeau, je te suis. Allez. Oh, t'es trop fort. Franchement, t'es super fort, hein. C'est qui, le dernier, sur l'île, là-bas? On dirait un microscope, ici. Je pense que ça doit être une île d'intello. Une île d'intello? Mais qui peut être l'intello sur cette île? Attends, je crois que je suis en train d'apercevoir quelqu'un. J'avais commencé à voir quelqu'un, mais je sais pas qui c'est. Tel cadeau, on n'a pas vu Awaris encore. Oui, c'est... Bah, ça, je sais pas, c'est vrai, ouais. Il n'y a pas encore eu Awaris, mais je doute que Awaris, ce soit l'intello, quand même, Papa Awaris, votre fils, intello. Alors là, ce serait une bonne blague, quand même, hein. Lui, intello. Ouais, c'est clair, ça peut pas être Awaris, ou alors ce sera peut-être Lola, hein, finalement. Ou, je sais pas, Josh, peut-être. Non, lui, c'est une brute. Oh, je crois que c'est Awaris. C'est possible, hein. Si, j'ai hâte de voir Awaris assis à une chaise. Allez, tel cadeau. Dépêche-toi, on va voir Awaris. Ouais, Johan, qu'est-ce que t'es je suis trop en train fort. De faire, bébé. Ouais, je sais, merci. Ok, c'est bon, t'as cadeau, on est arrivé. Oh, mais Awaris, qu'est-ce que vous faites ici? Mais Awaris, depuis quand t'es en intello? Depuis toujours, c'est juste qu'avant, je faisais semblant d'être débile. Depuis toujours, ça c'est une bonne blague, depuis toujours t'es en intello. T'as vu ta tenue? Non, mais quelle tenue? Non, j'ai pas de tenue, moi j'ai rien, moi je... T'as vraiment la tenue de la honte, tu me fais honte, hein, vraiment, tu me fais honte. Bon, oh, c'est pas cool, Awaris. Laissez-moi observer les planètes et le système solaire, s'il vous plaît. Oh, Awaris, faut qu'on rentre, j'en ai marre d'être sur ces îles. Et là, îles. Tu vois quoi? C'est Saturne, je reconnais. Ouais. Ok,
bon à Waris, mais qu'est-ce que... Et là, tu vois quoi, là? Là, tu vois quoi? Un tas de graisse, mais ça existe pas comme planète. Arrêtez, hein. C'est pas rigolo, vous êtes pas cool. Oh, je suis désolé, pardon, excuse-moi. Allez, t'as un problème, toi, c'est comme ça que tu parles aux filles. Je parle pas à une fille, espèce de binoclard, là. Je parle à un humain. T'as cassé tes lunettes, espèce de bouffon, va. Tu veux quoi, toi, avec tes chaussures avec des ailes, là? Tu t'es fou. L'intello, tu crois que tu vas faire quoi, là? Lâche-moi. T'as un cadeau, t'es un mec populaire. Lâche-moi, c'est moi la brute. Ouais, lâche-moi. Mais vous croyez que vous me faites peur, là? Les garçons, j'ai absolument envie de rentrer chez moi. J'en ai marre d'être sur les îles. Alors, si vous pouvez mettre vos petits différents de côté et qu'on puisse avancer, qu'est-ce qu'on doit faire pour toi, Waris? Ouais, voilà, elle a bien raison. Parce que moi, j'ai des connaissances en chimie que tu n'as pas. Frappe-moi et je t'empoisonne. Non, non, tu n'utilises pas cette technique. Elle est secrète dans la famille, d'accord? Ouais, bon. Du coup, ici, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des lunettes, tu vois tout simplement un gros microscope. Du coup, je veux faire des expériences et je veux tout simplement devenir le meilleur physicien. Waouh, je croyais que t'allais dire que tu voulais devenir le meilleur dresseur à Waris. Tu crois que je suis quoi? Tu crois que je suis un dresseur Pokémon, moi? Non, je suis quelqu'un de très intelligent. Mais en quoi on peut t'aider à Waris? Parce que nous, on s'y connaît pas trop en chimie et tout. Bah, hein. Justement, tout à l'heure, il y a un singe qui était sur l'île et il a pris plein de fioles que j'avais besoin pour mes expériences. Regarde, j'ai pu en garder que 3, regarde. Hop, j'en ai gardé que 3. Et tout simplement, il m'en a volé 8. Ça veut dire qu'on doit les retrouver sur ton île, c'est ça? Oui, c'est ça. Il les a éparpillés sur l'île et j'arrive pas à les retrouver. C'est ça, là. Ah, j'ai failli la manger tout à l'heure. Papa Waris en a trouvé une. Ça veut dire qu'il en reste combien, Waris? Il y aurait 7, c'est ça? Alors, si simplement il y en a 8 et qu'il en a déjà trouvé une, 8 moins 1, ça doit faire 7. Oui, je suis pas sûr. Faut peut-être demander aux abonnés. Il y en a une ici. Oh, il y en a une là. Ok, donnez-les-moi. Comme ça, on sera bien sûr qu'on a le compte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans un coffre pour être sûr qu'on les perd pas. Alors attendez, je vais vous mettre un coffre. Merci, juste ici. Johan. C'est bon, déjà j'en ai 3. Continue à chercher. J'ai vu une fiole. Il y en a une ici. J'en ai vu une là, à côté de tout à l'heure. Il y en a une sur la table ici. Hop là. Oui, c'est vrai que j'avais oublié celle-là. Du coup, ça fait 4. Il en reste 4. Trouvez les 4 dernières. Moi, je vais chercher dans ce coin-là. Je suis sûre qu'il y en a une dans ce coin. Si vous voyez le singe, vous lui faites sa fête, hein. Ok, pas de problème. Il y a la fiole juste ici. Ok, je crois qu'on en a 5. Est-ce que quelqu'un en a trouvé une en plus? Non, j'en ai pas trouvé une autre. Allez-y, Papa Waris, posez dans le coffre. Comme ça, on verra combien on en a. Est-ce qu'il y en a une dans le coin ici? Peut-être ici, là? Non, il n'y en a pas. Peut-être sur le microscope. Ok. Je vais aller voir sur le microscope s'il n'y en a pas. Parce que, à mon avis, il y a moyen que le singe se soit caché ici. Oh, regardez, il y en a une juste là. Ok, c'est la dernière, je crois. Vous entendez ce que j'entends? Je crois que j'entends le singe. Oh non, il y a le singe! C'est pas tes fioles, c'est celle d'Avaris. Non, faut pas qu'il me vole mes fioles. Oh, c'est le combat. T'as le cadeau, mets-le dans le vide. Regarde, je suis en train de faire quoi, non? Regarde. Oui. Oh, bien joué. Je vais aller poser la dernière fiole. Alors, d'après le théorème de Pythagore, elle est tombée dans le vide. Ouais, effectivement, Waris, t'es intelligent, mais il faut pas abuser non plus. Et d'après le théorème de Thalès, plus t'as d'espèces, plus tu manges McDo. Des fesses. Je suis le plus fort. J'ai vaincu, le singe. Félicitations, t'as le cadeau. Je suis le mec le plus cool. C'est un esprit d'équipe, t'as le cadeau. Waris, on a récupéré, ça veut dire qu'on peut rentrer? Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, oui, il y a toutes les potions. Ah, bravo. Alors, attendez, je les prends avec moi. Tac. Ok. Maintenant qu'on est tous là, on peut faire des calculs de maths si vous voulez. Non, c'est bon, Waris. Allez, j'ai vu qu'il y avait un portail. Je me casse. J'en ai trop marre. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'en avais trop marre d'être sur ces îles de l'école parce que je déteste l'école. On est bien mieux en vacances. J'espère que vous êtes en vacances, vous en tout cas. Ouais, ciao. Moi, je suis en vacances aux Bahamas. Et vous, les abonnés, vous êtes en vacances où? Ouais, vous êtes tous en vacances. C'était Papa Waris. T'as le cadeau, Waris, le kikou, Yohanana, c'est Anna. Bisous!